Ok, bonjour à tous, c'est Invivius et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le concours de skins. Donc je vous demanderai simplement pour voter d'aller dans la description et de cliquer sur le straw poll puis de voter pour votre skin préféré. Mais avant de faire ça, je vous conseille de bien regarder tous les skins de la vidéo parce que ce serait dommage que vous votiez pour le deuxième participant et que finalement vous préfériez l'armure du dixième. Donc voilà, je vais pas être plus long, je vous laisse sur la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Eh, y a pas un HV là? Si, attends. J'ai fait un investissement, faut que j'aille regarder si je suis rentable. Oh là en fait, tu veux juste aller chez. Qui veut commencer à défiler? Je suis caché. Oh putain. Qui veut être le premier? Go faire dans l'ordre en vrai là. Bah, go faire dans l'ordre. Le premier là, ici, c'est. Bah, c'est Dafed! Oh c'est putain! Dafed. Allez, Dafed! C'est pour ça que je vais faire dans l'ordre. Alors, attends. Le but c'est que Dafed il parle un petit peu de sa tenue après, donc si au moment on pouvait être un petit peu pendant 30 secondes sérieux au moment où il présente sa tenue les gars, ce serait nice. Et c'est Dafed qui s'avance sur le tapis. Ah t'as eu ça tout en... Quel beau ah, gosse. Okay. Voilà donc j'ai choisi une tenue, donc ça s'appelle bien sûr l'assemble d'armure de reconnaissance agile. Parce que perso, j'aimais pas trop avec toutes les jupes où tu tapes dans le pied et ça sort derrière avec une petite teinture blanc-rouge. Et c'est une petite teinture. Et une petite teinture, hein, voilà. Bien tout sympa, bien sympa, Dafed. Voilà. Hop. Et qu'est-ce qu'on fait? Attends. Hop. Tu cherches quoi? Tu cherches une émote? Ouais, je cherche une émote. Je te cherche, je cherche une émote. Je vais te la faire. Je t'envoie ça déjà. Voilà. Oh, merci pour le bisou. Putain, je cherche. Ok, Dafed. Ah, il est au garde à vous. Ok, bah tu peux aller sur le côté, Dafed. C'est parti, Levi. Du coup, moi j'ai choisi une tenue un peu entre guillemets classique. À part au niveau du masque que j'ai changé, j'ai pris un chercheur sombre. J'ai changé la couleur parce que le blanc, c'est que ça faisait un peu trop Jedi. Voilà. Vas-y, attends, tourne-toi un peu, ok, pour qu'on te voit. Ok, donc t'as une tenue d'assassin Sith pur, quoi. Ouais. Ok, Will Roll. Oh, un bisou. C'est sympa. Ok, let's go. C'est Ciara le prochain. Ouais, c'est moi. C'est parti, Rome. Ah, j'arrive. Il va faire son dans défilé. Premier personnage féminin, c'est le temps de. Ouais. Temps. Ah ouais. Voilà. On peut siffler, on peut siffler. Ouais, allez, siffler. On siffler. Il y a une mode pour ça. Ah, parfait la vue là. Ah non, il y a une mode. Hormones, les gars. Sociabilité, il y a sifflé. Sifflé, j'ai trouvé. Oh là là. Alors, Rome, pourquoi t'as choisi cette armure? Alors, pourquoi j'ai choisi cette armure? Bah, déjà, j'essayais des trucs d'avoir stylé, des trucs de chercher des trucs stylés pour un perso féminin. Donc, ce que j'ai pris, c'est donc pour le masque, c'est le masque d'Ajunta Pal. Ouais. Le haute tenue voluptueuse ainsi que les bottes. Et après, c'est le tout le reste, les gants, la ceinture et les bras et le pantalon, c'est de la, ça vient de la combinaison suggestive. Ok. Et donc, ce que je trouvais marrant quand j'ai fait ski, c'est que ça lui donnait un petit peu un côté sado et qui met des fessées, ça avait fait marrer. Ça avait fait marrer, du coup, je me suis dit, allez, ça part pour le concours. Ok, bah, mec, c'est fini. Ok, bah, on va passer au prochain. C'est qui? C'est Hans, le prochain? Non, du coup, va à droite, non. Wow, la galipède. Oh, c'est trop sympa, avec le canon, là. Le mec est pimpé. Oh. Il a préparé la Corée, quoi. Il a sorti son gros canon. Une heure avant, il a fait ça pour impressionner les femmes. Ça, c'est de ma faute, ça, Dafed. La vache, ton canon est super stylé. Alors, ah ouais, il est bien. Peux-tu nous parler de ton skin, Hans? Alors, est-ce que t'as un micro? J'aime le Saint-Empire germanique. Ouais, ça fait un peu. Okay. Ouais, ça fait 1942 là, un peu le. Vas-y, la scène de toi, mec. Oh. Oh. Ah bien. Petit défilé avec le. Franchement, ton skin a du flow. Hein. Alors, peux-tu nous en parler? Alors déjà le skin, j'ai voulu faire un peu un style que pas assez original sur la joie impériale. Mm-hmm. J'ai fait un style un peu pirate. Enfin, j'ai pris le torse de corsaire mentelien que j'aime bien, ça pirate ici sur un personnage féminin. Ouais. Et puis pareil le reste sur les gants en mode un peu aventurier et puis
pareil, les bottes un peu presque pieds nus pour faire genre pirate quoi. C'est les pieds de Xoxan. Un module de teinture bleue. Ouais, c'est ça. Ok. Et j'ai mis un module de teinture bleue bah, pour aller avec la couleur des cheveux du personnage. Ouais, franchement, ça a du flow. Hein. Voilà. Bah, GG hein, pour le skin. Je vais faire un dernier petit. Oh, oh. La courbette. Let's go. Alors Dory, tu veux nous parler de ton skin de Merco? Alors je l'ai fait un peu robotique parce que ça a bien avec le mercenaire et voilà, c'est tout. Waouh. C'était assez rapide. C'était la présentation la plus rapide. Voilà, oh, là, le kiss. Ah ouais, backpad. Vas-y, go backpad. Vas-y, pourquoi t'es une racoule qui te suit par contre, ça fait partie de la présentation ça ou... Qu'est-ce qui m'a mis une prot là? Vas-y, elle naît, hein, je sais pas ce que t'attends. Ouais, c'est vrai, je vais la présenter. Bah, du coup, j'ai mis une armure de chaman de Datomir tout en blanc quoi. Avec les ceintures et le gant du coup. Et ensuite, pour le reste, j'ai mis le bas de tenue de plage, justement pour qu'on voit les jambes. Et après, j'ai mis des bottes de gaffe d'Aragon, quoi. Oh. Elles sont épilées, c'est qui ça? C'est en accord avec les yeux, en plus. Les yeux blancs. Exact. Attends. Attends, il y a aussi un truc. C'est accordé aussi avec ça, attends. Oh. Les cristaux. La course folle. Ah non, ça marche. Oh. Ok, Joran, je vois du rose qui pétille. Ouais. Déjà à distance. Je pétille parce que mon inspiration, c'est le flamant rose. Tu vois, c'est le flamant rose. Le flamant rose. Le flamant rose mandalorien, tu vois. Un peu chasseur de primes et en même temps intrépide. Oh, voilà. L'intrépide. T'as vu. Joran. Je vais vous montrer ceci. Parce que c'est aussi un grand danseur. Mais très furieux aussi. Voilà. Le chasseur intrépide rose, flamant rose. Voilà. Bien sympa, bien sympa. Vas-y Camille. Par contre, t'as un dragon quel qui te suit. Je sais pas si ça fait partie de la présentation ça. C'est pimpé, c'est ma pute. Oh, avec le sabre de la corde. Ok. Ah, le sabre noir. Sabre du coup, noir. Moi j'ai pris la tenue de Bastion impérial et je l'ai pimpé un peu parce que, en fait, au niveau des bottes, il y avait un énorme pic comme sur les épaules. C'était immonde. Du coup, j'ai pimpé et tout. Et avec un module de teinture blanc-blanc, et bah du coup, ça fait sortir les ornements derrière et c'est juste magnifique. Regarde mon cul. Ah ouais, magnifique. Effectivement. T'es pas prêt. Est-ce que tu peux te marquer? Ouais. Attendez. Oh. Oh là là. T'as dû la payer cher, cette imote, je te le dis. Oh, avec le petit varactyl noir. Oh, ok, ok. Est-ce que vous voulez tous les deux défiler en même temps ou... Ouais, en vrai, ça aurait plus de cohérence. Vous avez le même nom d'héritage. Non, c'est le nom de perso, on n'a pas le même nom d'héritage. Dieu. Ah, c'est bien ça. Ah, la sonde derrière, pète, hein. Excellent. Avec les pets. Du coup, si vous gagnez, le premier truc est divisé en deux, quoi. Faut que je me recule. Donc, attends, mais je vais essayer de commencer. Vas-y. Donc, toujours pour garder le côté old school, du coup, on a pris l'armure au long bouclier, et bien sûr, après, on l'a modifié à notre sauce chacun. Donc, moi, j'ai pris le canon qui ressortait le mieux avec l'armure pour garder un petit côté, le côté brun de l'armure, un peu cuir, comme ça. Okay. Bien sûr, on a rajouté l'effet au long bouclier sur le gun. Et au niveau du casque, j'ai pris le dernier casque là qui est sorti sur le marché du cartel, le cyberagent. Ouais. Qui garde vraiment un côté blindage comme ça autour du casque et qui ressort bien avec l'armure aussi quand tu fais utiliser les couleurs. En plus, je crois que quand tu ranges ton arme, ça change d'effet, non? Exactement, je vous montrais. Il s'ouvre en fait le casque. Ah ouais, c'est stylé. Hein. Rome, rentre du toit. Pourquoi il y a un orbe de vie qui flotte là depuis tout à l'heure? Ça me perturbe. C'est moi. Ok, et Sergei. Moi pareil, c'est armure au long bouclier. J'ai changé le casque, j'ai mis un casque de pierre bionique. Donc pareil, il y a une animation quand je range mon arme. Et ah ouais, sympa. Feuille, là, qui revient. Ah ouais, sympa. Ah ouais. Oh. Tac. Et j'ai changé la ceinture aussi pour que ça aille un peu mieux avec le casque. Donc c'est une ceinture combustion BKO. Franchement, vos skins ont du flow, les gars. Hein, GG. Ouais, bah, Cimer. Ah, bah là, on a peur quand il arrive. Ouais, là en BG, s'ils tag ensemble. Hop là. Oh. Attends, pour nous, merci. Oh, magnifique. Oh, excellent. c'est la meilleure émote qu'on a eue.
Ok, bah merci les gars, go tous se mettre là pour la fin de la vidéo. La photo, la photo le finale, screen. Là. On la a qu'à tous danser. Ça va être le bordel. On va être le bordel, ils sont pas capables de se mettre en ligne, oh là là. Les plus grands derrière, moi je dis, les plus grands derrière. Les plus forts devant. Ouais, on s'assoit devant les plus petits. Moi je suis à côté, je suis assis à côté d'un dragon Kiel, c'est marrant. Moi pareil. Il veut te manger, fais gaffe, hein. Il a la tête juste à côté de ta tête. Hein. Là il veut te manger, mec. Hein. Ok, bah merci les gars d'avoir présenté vos skins. Vous qui regardez la vidéo, allez sur le Stropole en commentaire dans la description pour tout simplement voter pour votre armure préférée. Votez Macron. Oui. Et n'oubliez pas, votez pour moi. Pour moi. Pour courir, les gars. Mettez-vous tous en maillot de bain. Eh, en parlant de maillot de bain, qui veut m'acheter une tenue voluptueuse, je sais pas quoi là. Mais arrête d'essayer de vendre tes trucs, toi. C'est pour dire adieu à ta monétisation. Il y en a un qui tente la danse de la toupie au milieu.